Aujourd'hui, rendez-vous à la grotte Saint-Loup où je découvre une immense terrasse qui surplombe la Saône. Une vue assez incroyable, à savoir qu'on est seulement à 10 minutes de Bellecour. Et à l'intérieur, changement d'ambiance, je découvre une grande bâtisse du 15e siècle où on réparait auparavant les bateaux de la Saône, désormais bien restaurés. On retrouve une décoration moderne qui tranche avec le charme de l'ancien. Donc, je suis avec David Di Raimondo, le chef de la grotte Saint-Loup. Bonjour. Et il nous a préparé un assortiment de plats à la carte. Donc, deux plats à la carte, l'escalope de la grotte, le potiron à l'huile de truffe et deux suggestions, un risotto d'homard au fèves, jus de crustacé et une lotte rôtie, jus de coquillage. Et sa jardinière de légumes. Les suggestions sont changées toutes les semaines et je fais, en plus de la carte, entre 5 et 6 suggestions. J'ai vu que vous faisiez des desserts maison également. Tout à fait. Donc là, nous avons le café gourmand. Et là, nous avons un fondant cuit minutes. C'est une cuisine traditionnelle, comme vous pouvez voir, mais revisitée avec des bons produits. Avec mon équipe, on essaye un maximum de se faire plaisir et de faire plaisir surtout aux clients. Et pour les amateurs et les curieux, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la boutique Harley-Davidson située à l'entrée